112, what's your emergency? What's your emergency? Bienvenue sur 9 Impérators, je m'appelle Benjamin Cruz, bienvenue sur cet épisode 105. Pas d'épisode la semaine dernière, j'étais un petit peu cloué au fond du lit pendant mercredi soir et surtout jeudi, vendredi. Et surtout, j'ai pas eu le temps du tout de faire ni d'enregistrer, encore moins de publier la vidéo la semaine dernière, je m'excuse. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu la possibilité du tout de jouer entre jeudi et dimanche à la bêta fermée, la première bêta fermée de Division 2. C'est un petit peu frustrant, mais c'est comme ça, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Bref, l'épisode 105 est donc cette semaine, et on commence surtout, vous l'avez vu en introduction avant cet épisode, juste au début de cet épisode avant le générique, c'est qu'il y a le premier trailer de 112 Opérateurs, la suite donc de 9 Opérateurs, qui, pour l'instant, c'est surtout des vraies images de vraies urgences, de vraies catastrophes qui sont passées, qui sont clippées comme ça assez rapidement. Et je n'ai pas rangé mes chaînes, j'en m'en suis déjà plein il y a longtemps. Pour ceux qui ont vu les épisodes d'avant, vous saurez de quoi je parle. Et surtout, la grosse nouveauté surtout de ce 112 Opérateurs, c'est qu'il est en 3D, pas de date, début 2020. C'est tout ce qu'on sait, donc d'ici l'année prochaine. Mais à part ça, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. On a quelques images sur Steam que je vous balance tout de suite. Donc vous avez vu le premier teaser que je vous ai mis en ouverture. Quelques images que vous avez sur Steam, notamment, mis à part que la Control Room sur le menu qui passe en 3 dimensions, parce que forcément on est en 3D. Bon, ça, sincèrement, on s'en fout. C'est surtout que oui, les cartes vont être en 3D. Là, ça devrait être vraiment intéressant. A priori, donc ça va vraiment reprendre le même système de cartes qu'on a actuellement, basé sur des vraies cartes, des vraies villes, comme ici on a sur 9 Imperators avec OpenStreetMap, où le jeu va savoir lire les cartes d'OpenStreetMap. Visiblement, ici sur 112 Opérateurs, ça devrait être, je parle vraiment, j'insiste sur le conditionnel, ça devrait être la même chose, mais en 3D. Donc la possibilité plus facilement de gérer aussi maintenant un incendie, puisque comme on le voit notamment sur une des captures en particulier, on devrait avoir des incendies assez importants, et donc avoir la possibilité de manager différentes unités anti-incendie d'un côté comme de l'autre. Donc déjà là, on va gagner énormément en profondeur de jeu, et la possibilité aussi en 3D par exemple d'avoir beaucoup plus de détails et de finesse. Ça va être aussi l'occasion pour moi de réfléchir sérieusement à qu'est-ce que je vais donner à cette série. Est-ce que je vais la continuer jusqu'à la fin, et jusqu'à un moment il faudra quand même penser à s'arrêter, qu'est-ce que j'en fais de 9 Imperators après? Vous allez me dire, on a encore un an avant 112 Imperators, on a le temps, mais ça n'empêche, est-ce que je l'arrête avant, est-ce que je l'arrête après, est-ce que je l'arrête au moment de passer à 112 Imperators, est-ce qu'à un moment je l'arrête, ou est-ce qu'à un moment je l'arrête pas du tout et je continue et on se retrouve dans je ne sais pas combien d'années pour l'épisode 983. Après tout, pourquoi pas, si un jour j'arrive à faire 1000 épisodes d'une série, ce sera un gros achievement sur ma liste. En attendant, la semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses, je m'en souviens sincèrement plus du tout. On va se connecter tout de suite à Daytona. Petit rappel sur ce qui se passe sur la marche à suivre en cas de tornade. En France, c'est plutôt rien là, mais c'est un beaucoup plus rare qu'aux États-Unis. La semaine dernière, à Daytona, l'épisode précédent, il y a 2 semaines, j'en souviens absolument pas de ce qui s'est passé, sincèrement. Beaucoup de choses sont passées par là, à travers ma tête entre temps. Surtout, à Daytona, déjà, en vrai, c'est la grosse période des courses en ce moment, puisque la saison de NASCAR a repris, et comme d'habitude, la saison de NASCAR commence avec le Daytona 500 ce week-end, le week-end de diffusion ici. Donc, le week-end du dimanche 17, on arrive vraiment, donc c'est le coup d'envoi de la saison. Il y a déjà eu une course d'avant-saison, The Clash, la semaine précédente aussi à Daytona, donc c'est une grosse semaine de course automobile avec beaucoup de monde sur Daytona en ce moment. Ça doit être juste impressionnant d'avoir une ville complète en effervescence avec la population qui doit doubler ou tripler, je sais pas, avec ces événements sportifs. Ça doit être vraiment sympathique avec des bonnes ambiances et des bonnes soirées aussi à se faire. Mais un truc que j'aimerais bien vivre au moins une fois dans ma vie, j'avoue. Du côté du jeu, je sais sincèrement plus ce qui s'est passé. Il faut que je me remette un petit peu dans le personnel. On avait encore des gens qui étaient blessés de mémoire. Il faut juste que on a plus personne de blessé. On a récupéré tout le monde là.
on avait des gens qui étaient blessés et qui sont revenus donc pour cet épisode. Voilà, pour ce service. Voilà, on en est revenu à peu près à ça. L'occasion pour moi, comme d'habitude, de faire un petit tour au niveau du personnel. Je vais regarder et on se retrouve juste après. Dites bonjour à Noah Gomez, sapeur-pompier. Simple sapeur-pompier, au rang de sapeur-pompier. Hein. J'avais déjà fait un épisode sur les rangs de pompiers il y a quelques épisodes de cela. Sapeur-pompier, donc Noah Gomez, 79 de conduite, 72 de compétences. C'est à peu près le seul potable d'une certaine manière que j'ai actuellement dans la liste ici à droite. Ça veut surtout dire qu'on a un pompier, deux pompiers, 3, 4 pompiers, 5 pompiers. On a donc de quoi 6, 7, 8, 9. On a de quoi faire deux engins là bientôt. Donc au prix de l'engin, on va pouvoir faire à 225 000. Donc d'ici un épisode ou deux, je pense que je vais me pencher sur le fait. Ils sont où mes engins de pompiers? Ils sont passés où? Ouais, ils sont là. Sur le fait de me refaire au moins un camion, éventuellement un deuxième rescue, mais surtout un deuxième camion et enfin peut-être même deux camions, deux engines. Je pense qu'on va partir là-dessus. C'est ce qu'on a de plus important à faire là tout de suite. Les ambulances, on en a besoin, mais on a de quoi faire. Pour l'instant, on n'est pas trop. On a été une fois à la limite, mais sinon ça va. J'ai vraiment besoin de plus de pompiers et c'est ça qu'il va falloir vraiment aussi augmenter. On va pas aller attendre plus longtemps, on va aller se déployer tout de suite. Voilà, comme d'habitude, les unités sont prêtes, on commence le service ici. On commence déjà avec une recherche. Fuite des lieux d'incident, hop, on envoie l'hélico, on va envoyer la canine qui doit se balader dans le coin. J'ai perdu, elle est là où ma canine. Et on va envoyer quelques unités de police fouiller la zone. Du côté de 9 opérateur, j'ai pas envoyé de... J'ai pas de nouveau mode, j'ai... J'ai rien ajouté pour l'instant. Oula. Where are you, sir? It's an old warehouse, that. Sir, please try to describe the situation. What's happening? Yes, I'm the watchman at the warehouse. I noticed the fire. It's already burning. Ooh. In the warehouse. It's full of fireworks. They could explode at any second. Do you know if there's anyone in the warehouse? Is there any chance there's someone near the building? There's a repair shop nearby. There might be someone there working. On va pas lui dire d'attaquer le feu. Il y a trop de risques. Activate the fire alarm to warn people in the area. Voilà. Yes. Where the hell is that button? Okay. Done. Try to turn on the sprinklers. All right. Heaven help me. It's working. Ça c'est con. Ah oui, putain, c'est sur le toit. Sir, you need to get out of the area immediately. Oui. Leave now. Yes. Oh my God. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Oula. Oulala. Oulala. Alerte générale. Alerte générale. Alerte générale. Alerte générale! Quand on a le bruitage comme ça qui reste dans le game, c'est que c'est la merde. Et on a un delta. Je pense qu'on sait un delta parce qu'il est resté trop longtemps. Oh la vache, ça me fait des frissons cet appel, dis donc. Ouh, et ben voilà, un nouvel appel. Moi qui commençais à me dire que 9 Imperator arrivait un peu sur sa fin, que ça allait être un jeu un petit peu... Alors on a quoi ici? On a encore une grosse zone. D'accord. 911, what's your emergency? Holy shit! Did you guys see that explosion? The whole neighborhood's on fire. Oui, on est au courant, monsieur. Does anyone need medical attention? I don't know. Where did it happen? I guess around 1-4-3. Ok. On sait déjà, monsieur. We have the call on this, sir. All units are being sent to the scene. Oui, alors ça c'est vraiment cool d'avoir des vrais appels. Oui, merci monsieur, mais on est déjà au courant. Thank you for reporting this emergency, sir. I've got the fire department responding now. Okay, bye. Heading over there.
Bon, il faut quand même que je garde un engin en secours parce qu'on a autre chose là. Une école en feu. Une école en feu, putain, mais... Oh, le jeu a décidé de se venger de moi aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. École en feu avec cette explosion-là. Non, c'est là-bas qu'il faut que j'envoie du... On a beaucoup de blessés, là. Putain, ils ont joué à Miss and Chief ou quoi, les gars, là? On va dépêcher l'hélico, on s'en fout. Ok. Donc ici, on va juste s'assurer... Celui-ci, on s'en fout, on va l'ignorer. Voilà, on a pris 2 points. Waouh, quelle entrée en matière! Il y en a déjà un appel. Enfin, bonjour, quelle autre chance? Oh. Ok, donnez-moi l'adresse, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qui se passe? Is someone injured? My kids inhaled a lot of smoke when we tried getting out of the building. They're coughing. Ma'am, I understand that you're stressed. Please calm down and explain what's happening. Avant d'activer l'alarme, il faut. A fire broke out in the building. Voilà, il faut essayer de la calmer un petit peu pour essayer de la voir avec nous. Can you see the fire on the staircase? Yes, faut que je lui dise de prendre l'alarme. The smoke's starting to get into our apartment. We can't take the stairs. We're trapped. Please tell me, how many people are there with you in the apartment? Putain, c'est le bordel dans toute la ville. The upstairs neighbors are away for the week. Nobody's lived in the apartments below us for a while now. Is there a fire escape to your apartment? J'ai pas lu ce qu'elle disait parce que je suis concentré sur sur le bordel que j'ai là. Ma'am, you need to stay calm. I'm going to do everything I can to help you, okay? Ouf, j'ai besoin de grosse concentration sur cela. Là, je parle plus du tout parce que là, je suis vraiment absorbé par les appels. Close to the floor on your hands and knees, okay? Great, great. Now, stay low, keeping your head low as well, and crawl to the other room. Got it. Kids? Oh, we've made it. Donc on a 2 appels pompiers en même temps, en parallèle. Now listen carefully. You're not going to open the door yet. Donc là, c'est vraiment un gros bordel pour les pompiers, là. Grosse entrée, on va dire. C'est vachement intéressant, ce qui se passe. Pour ça aussi, je me taise et que j'écoute ce qui se dit. Et les bruitages derrière. Bon, là, il le fait assez tout seul, c'est bien. Je crois qu'on a déjà eu celle-ci en réfléchissant. Oh, great. Okay, move away from the building. The firefighters are going to be there soon. Sure. Je crois qu'on a déjà eu celui-là avec les 2 enfants qui sont. Ouais, il me semble qu'on l'a déjà eu. Mais quelle entrée en matière on a ici. Voilà, on n'a pas le temps de voir ce que c'était. Et on a ici une autre intervention avec un parc de stationnement en feu, un parking en feu quoi. Waouh, ils ont bouffé du Mission Chief ou quoi les gars là chez Jutsu Games parce que là on s'en prend énormément dans la tronche là. Violation de domicile, le van, s'il vous plaît. On va tenir les autres à proximité, mais pas plus loin. Ok, on a les pompiers qui s'en viennent, premier engin. On a 2 engins, 1 bataillon et une échelle sur place ou en route. On a un nouvel appel. Ah, encore ? We know about the fire, sir. There are units already responding to the scene. Non, cet appel est hors contexte. Hors contexte. And I can't see any. Does anyone need medical attention? I don't need a doctor. I need a fire department. I'm asking you to calm down. Ah oui, lui c'est son garage, il faut pas y aller, je crois. We have one available. You're telling me to calm down while my garage is on fire. Faut pas y aller sur celui-là. C'est con, hein. Faut pas envoyer les pompiers. Faut pas. We're doing everything we can to put the fire out.
Je reviens dans le contexte, on est censé avoir un événement où on a... Okay, I'm sending the firefighters now. Et s'il y avait quelqu'un, alors là, ouais, je lui ai dit que je partais, donc je pars. Mais normalement, il ne faut pas envoyer quelqu'un dessus. Mais là, il m'a eu un petit peu avec sa question. Dans le contexte, il y a un événement où la ville est en train de brûler. Ouais, tout simplement. Et donc, on a une multitude d'appels de pompiers un petit peu partout. Et on est censé avoir... Ok. Sans problème. Je t'envoie le backup tout de suite. Et donc on est censé avoir plein d'appels, dont celui-ci, parce qu'il y a le feu dans le garage, mais lui on n'est pas censé y aller, parce que c'est censé être le bazar en fait, partout, et lui on n'est pas censé y aller, c'est le but du jeu. Je pense que si j'y vais, je vais me faire un petit peu taper sur les doigts, parce qu'on n'est pas censé y aller. En tout cas, c'est ce qui s'est passé la dernière fois quand je l'ai eu. Ok, ils ont trouvé la coupure électrique, non, c'est le rescue qui part dessus, mais on a un engin qui est là dessus. Ah, Shotfire, d'ici pour ici. Ah bah en fait on est peut-être dans le contexte. Ou alors c'est un deuxième appel du même problème mais qui est... Are there still any people in the burning buildings? Does anyone need medical help? I don't know. I've moved away from the fire. My neighbors are with me. Ah ouais, si, on l'a déjà vu ça. C'est John le voisin. Voilà. Oh my god, he's on fire. He's burning alive. Where exactly are you? It was a big green house at the end of the street. We're at 142. I want you to approach him slowly and tell me what's happening. My God, he's burning alive. We have to do something now. There's no time to waste. Ask your neighbors to help and put the fire on him out. How? What should I use? If you have an extinguisher, use it now. Sure. Run. Give me the extinguisher. Okay. Ah, mais ils ont un extincteur sous la main? Putain, je le savais même pas ça. Bon, j'ai qu'un rescue sous la main, les gars, désolé. C'est trop tard. Mais non, vérifions s'il respire au moins, putain. Il ne respire pas. C'est lui porter secours quand même. Do you know how to do CPR? Yes, we do. We'll try our best, but I don't know if that. Just get here quickly. On est déjà en route. On arrive. Donc oui, voilà. Pause. Là-haut, ici, on est sur le gros feu de tout à l'heure. On a encore donc deux victimes à évacuer. La première est partie avec le superviseur, ce qui n'est pas logique, mais il ne faut pas chercher. On a donc des moyens sur zone. On a donc, je disais, deux engines, le bataillon et l'échelle déployées sur place pour s'occuper du feu. On a ensuite un engin qui vient de se libérer ici. On a un engin qui vient de se libérer ici en bas. Et on a donc qui est en train de partir donc justement sur le feu qui est ici tout à l'ouest, sur Mason Avenue. Et on avait une intervention, le police ici nécessitant donc, visiblement il y avait trois victimes, c'est l'ambulance qui prend trois victimes, cherchez pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et ici on a besoin donc d'une ambulance qui est en route, on est sur une intervention pour un vol, le vol d'un distributeur automatique de billets, et on a donc un individu qui a été blessé, on reprend. Ici on a quoi? Piéton écrasé, on a besoin d'une ambulance. On a le rescue qui va s'arrêter dessus. Non, il s'arrête pas. Désolé, on s'arrête pas. On n'a pas le temps. On va quand même envoyer la police dessus. Hein. On n'a pas les chiens. Toi, tu attends un taxi. Voilà. Ici, encore. Enlèvement d'un enfant. Ah merde. Il est où mon hélico? Il est là. Tac. La canine, elle est où? Tac. Tac. On va envoyer des pick-up. On va envoyer une ambulance. Une ambulance sur zone aussi, on va envoyer les pick-up de SAR. Heureusement que je suis équipé. Je suis vernis aujourd'hui là. Ça y est, j'ai pas joué depuis deux semaines. Je réfléchis à la fin de 9 Imperator et là le jeu me dit... Ah, attends, j'ai encore des choses en réserve pour toi petit. Je suis assez surpris. Alors, ici on a quoi? Une crise cardiaque. Vite, une ambulance. Oui, bah il arrive ton backup. Euh,
L'enfant disparu, il est où? C'est celui-là? Ah ouais, on les vole à l'enfant. Bon, j'ai renvoyé l'ambulance sur la crise cardiaque parce qu'elle était beaucoup plus proche. Donc on va renvoyer une ambulance sur la crise, enfin sur l'enlèvement d'enfant. On a 40 millions de flics sur l'enlèvement d'enfant, on va peut-être pouvoir en retirer. On va refoutre les pick-up de SAR là-bas. Ah putain, il y a encore. Enlèvement là. Mais c'est quoi ce bordel là? Faut arrêter les gars au bout d'un moment. Enlèvement d'un enfant. Encore. Encore. Alors là, c'est, là, on n'arrête pas là. Hop, on envoie donc une ambulance là-bas sur zone. On a de la police sur place directement pour chercher. Là, ici, on envoie une moto. Les pick-up, s'il vous plaît, vous remontez là-haut dans la zone. On a deux enlèvements d'enfants et je ne sais pas combien d'incendies aujourd'hui. Mission Chief, voilà, on est sur une journée sur Mission Chief, quoi. Une journée classique sur Mission Chief. Alors Mission Chief, j'en ai déjà parlé plein de fois, si vous savez pas ce que c'est, si vous rejoignez la série, bienvenue. MissionChief.com, c'est un petit jeu sur navigateur qui paye pas de mine, mais qui est bien foutu. Et bon, ça c'est un enlèvement, ouais, je l'ai bien senti venir. Et qui est un petit peu dans ce genre-là, en fait, on n'a pas les appels, on a juste les petites icônes qui apparaissent, les petites alertes, et on doit envoyer le nécessaire, et c'est quand même très bien foutu. Les gars, vous êtes trois, les connais pas. Deux ambulances, ici, une ambulance, c'est pourquoi? Une overdose. Normalement, l'overdose, c'est avec la police. Donc, je vais envoyer une police, je vais rester fidèle à ce qu'on est censé envoyer. Ils l'ont trouvé, l'enfant, ou pas? Ah, ça y est, justement, ils l'ont trouvé. Hop, enlèvement l'enfant, il a été trouvé, vite, une police sur place. L'ambulance s'en vient. Et on va pouvoir dégager la SAR. Ouais, alors par contre, t'es gentil, mais mon hélico, t'as rien à foutre là, en fait. Une fois que t'as fait ton boulot, tu t'es censé dégager. T'es gentil. L'ambulance est déjà sur place, on n'a pas besoin de médical en plus. Je vais attendre que... Alors ça, je vais leur envoyer. Hop, on va dézoomer un petit peu. On a tous mes pompiers qui sont sur la station de... Voilà, on a fini. Oh la vache, mais quelle journée! Bon, garage en feu, comme je l'ai dit, il fallait pas envoyer quelqu'un. On a gaspillé des forces et des moyens permettant de sauver des vies humaines. Il fallait pas envoyer quelqu'un, c'est résolu, mais c'est moins 4. Voilà, les gars chez Jutsu Games se sont mis un petit peu en mode bâtard aujourd'hui. Enfin, quand ils ont fait cet appel, et il fallait pas envoyer quelqu'un. Je vous l'avais dit, mais bon. Bref. Incident dans un entrepôt de feu d'artifice, résolu plus 1. Plus 1 ? C'est tout ? Quoi ? Non mais vous payez ma tête, non ? Bah, c'est comme ça. En tout cas, excellent appel. Super appel. Le témoin de l'explosion ignoré plus 2. Ça nous a rapporté 3 points au final. Vraiment super appel. Il est excellent celui-là. Il est vraiment génial. L'école en feu plus 8. Waouh. Un apéri grièvement blessé. Une seule personne a été grièvement blessée. Tous les autres ont été transportés à l'hôpital. Tous les autres ont reçu les premiers soins. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Et il y avait beaucoup, beaucoup de blessés en plus. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Vraiment génial, avec cette vitesse, parc de stationnement en feu, c'est nouveau ça aussi. Parc de stationnement en feu, bon on l'a eu deux fois, mais +4, +4. Le garage en feu, donc -4, hein. fallait pas envoyer quelqu'un. Famille prisonnière des flammes, +10. La vache. Mais la dernière fois, on avait pas pris +10. Je suis sûr et certain d'avoir déjà eu cet appel là. Mais je me souvenais pas d'avoir pris +10. Bref, on va pas se plaindre, hein, +10, c'est bien. Ah, personne en train de brûler, résolu, -7. Oui, parce que le mec est mort. Bah non, le mec, il est pas mort. Enfin, si, le mec est mort, mais victime mortellement de l'incendie, il est comme mort. Oui, mais il est pas compté comme mort. Ah, putain, il est mort, mais il est pas mort. Il est mort, mais dans les statistiques, il est pas mort. Ça, c'est cruel. Le mec est mort, mais statistiquement, il est pas mort. Donc ouais, résolu, -7, parce que le mec est mort. Après, de toute façon, j'ai pas pris les mêmes paths. Je vous ai déjà dit sûrement dans les épisodes précédents, si vous avez suivi. Voilà, les appels, en général, on a plusieurs réponses possibles. Et certaines réponses amènent sur certaines fins différentes. Donc, en fait, on n'a pas juste un appel avec
plein de questions à poser et une seule fin. En fonction de la question qu'on va poser, on va avoir des scénarios différents au milieu et donc des fins différentes. Là, ici, j'ai jamais eu cette fin-là. Le coup de John le voisin, je m'en suis vite rendu compte, mais je me souvenais pas en fait d'avoir balancé le coup de l'extincteur et d'avoir l'extincteur tout de suite sous la main et d'avoir la suite qui se passe comme ça, où le mec est en train de brûler vif et les gars en train de faire la RCP et que en fait, non, trop tard, il est déjà mort. Donc bon, le moins 7 c'est résolu, mais voilà, là une fois de plus les gars chez Jujutsu Game sont mis en mode bâtard un petit peu et on s'est pris moins 4, on s'est pris moins 7 quand même, parce que ils l'ont bien dit, hein, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc c'est normal de résoudre des appels et de se prendre du négatif, parce que voilà. Heureusement, l'enlèvement d'un enfant nous ramène nos plus 7 et on reprend plus 7 derrière grâce. C'est un peu cruel de parler comme ça à l'autre enlèvement, un autre enlèvement d'enfant. Deux enlèvements d'enfant et je sais pas combien d'incendies majeurs. Ouh, c'était une très grosse journée et j'ai vraiment kiffé le premier appel dès le début, le feu dans l'entrepôt de feu d'artifice. J'ai pas hâte de le refaire, mais je suis quand même curieux de le refaire bientôt et voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres paths à faire. C'est vraiment super cool, surtout derrière qu'on a eu un appel d'un témoin et ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Bref. Du côté du résumé du service, 23 cas résolus, 2 individus en prison, 3 amendes distribuées, 12 hospitalisations, aucun mort, on comptera pas John, aucun mort donc, 26 assistances portées et 72 points de réputation, ça c'est super. L'air de rien, c'est super, même avec moins 4 et moins 7. Du côté des finances, on est donc à 5000 de revenus de base, 39 181 de récompenses. Ça va donc avec la réputation. Vous l'avez sûrement donc compris depuis le temps, 4115$ d'amende, 30 614$ de salaire, ça c'est ce qu'on retire, et ça nous fait un total de 18 182, c'est quand même pas mal. Du côté des membres de l'équipe. Neva Escott a été promue du côté des paramédics puisqu'elle est maintenant chef. La chef-chef Elizabeth James a été blessée par un incendie en tout cas. Je sais pas si c'est le premier incendie ou la famille dans les flammes, parce que dans c'est sur ces deux-là que j'ai envoyé le bataillon, et je crois que Elizabeth James est dans le bataillon, je crois. En attendant, donc, elle devrait être absente. Ouais, elle va être absente, c'est ça. Elle va être absente pendant, au moins pour le prochain service. Donc un petit arrêt de travail, et elle était dans le Battalion 1. C'est notre chef, vu les compétences qu'on a. On va lui mettre un assistant, sûrement Christian Walker, Wyatt Sanchez, voilà, on va le mettre tout de suite. Wyatt Sanchez, qui va être donc l'assistant chief. Putain, le mec, il est à peine arrivé, il est déjà promu assistant chief, c'est quand même pas mal. Donc c'est la chef assistante, ici, qui va donc prendre la capitaine, pour le coup, la deux étoiles. La capitaine qui va prendre le lead. Normalement, on a du staff ici avec 3 étoiles, mais on va pas bouger les équipes. Là, je vais rester ici. De toute façon, ici, Wyatt Sanchez, pardon, va rester là que de manière temporaire. J'allais dire temporelle, non temporaire. Un scaphandre, enfin, une combinaison anti-incendie et les outils techniques du chef. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Un super épisode. Pour le coup, un épisode qui m'a bien donné envie de continuer cette série, d'essayer d'en avoir d'autres encore. J'ai hâte, je suis avide de ce genre d'appel. Comme quoi, l'air de rien, ce jeu a encore beaucoup de surprises en réserve. D'ici là, vous prenez très bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve donc vendredi prochain. A bientôt, ciao.